nous avons encore le pasteur Hickson. Vous savez que Dieu l'a appelé au ministère. Il est avec nous depuis le vendredi. Nous avons continué à prier. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, parce qu'on a passé un week-end merveilleux. Passe-lui le micro, parce que elle est. Pour ceux qui le connaissent, donc c'est PTV. Amen. Branham TV, hein? Vous connaissez le site de Branham TV? Amen. Ah. Franchement. Amen. Ma voix, elle est partie. C'est à cause de votre onction, là. Je crois que. C'est à cause de votre onction. En fait, on doit essayer de mettre un peu les points sur les i. D'accord? Parce que quand nous quittons nos maisons, et que nous venons dans la maison de l'Éternel, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Amen. Alors, il y a certaines choses. Si c'est votre pasteur qui le dit, vous allez dire que non, oh non, voilà, non. Souvent, c'est mieux que quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur et qui vous le dise. Amen. Amen. Alors, je vais dire une chose. Amen. Vous devriez bien le comprendre et faire la part des choses. Amen. Amen. Le prophète Branham dit ceci. Le pasteur, c'est lui le Saint-Esprit à l'église. Amen. Attendez, bien-aimés. Le pasteur, c'est lui le Saint-Esprit à l'église. Amen. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que s'il y a quelque chose qui doit venir d'un cet endroit, c'est la première personne qui doit être au courant. Amen. Attendez, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Attendez, bien aimé. Ce qui vient de donner ici comme témoignage, des choses qui ont été prophétisées par un vase, lui, il n'était pas là. Amen. Mais Dieu, par sa bouche, il le confirme de cette façon. Amen. Pourquoi? Pour vous montrer que c'est lui qui est la première personne. Amen. Ça vous entend quoi? Lui, il est le Saint-Esprit à l'église. Amen. L'onction de ça ici. Amen. La Bible dit que le port de la robe de Dieu remplit tout le temps. Amen. Lui, comme il est, Dieu l'a établi chef. Amen. L'onction qui est ici Amen. Remplit tout le temple. Amen. Quand lui il descend. Amen. Amen. Quand lui il descend d'ici, lui il se propage dans toute la salle. Alléluia. Encore une chose. Amen. Dieu vous a béni dans cette assemblée. Amen. Il a suscité des dons. Amen. Amen. Écoutez maintenant une chose. C'est vrai qu'il faut s'attacher au don. Amen. Amen. Mais on ne s'attache pas à la personne qui donne le don. Amen. Parce qu'elle-même, c'est une sœur, c'est un frère comme Amen. Tout autre. Amen. 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 Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Amen. Ce n'est pas en cachemire à huis clos, je veux voir les vases, Amen. Elle va prophétiser ou il va prophétiser pour moi. Bien, c'est faux. Amen. Ce n'est pas l'autre ça. Amen. Tout d'abord passer à travers qui? Le pasteur. Non, bien aimé. À travers qui? Le pasteur. À travers qui? Le pasteur. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais j'aimerais quand même dire un. Amen. Frère Exode, hier, moi je ne savais pas qu'il avait un problème ici au cœur, il souffrait. Et hier, pendant les services, l'onction est descendue, Dieu a utilisé une sœur, et il a dit, il y a une pierre qu'on a mise ici sur son cœur pour que ça ne pas si mal. Amen. Amen. Mon serviteur Franck, enlève-le. Je pris ma main, je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Amen. Et au bureau, il me dit, mais pasteur, n'a souffrir dans le Kamuro pendant longtemps. Si c'est la vérité, lève la main. Amen. 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 On lui a donné des messages à Bruxelles là-bas. Vous n'étiez pas là. Mais moi, il m'a parlé, je suis au courant. Je lui ai dit, frère, ces choses-là, gardez-les secrets. Amen. C'est comme ça que moi je travaille. Ces sœurs-là, ils ne doivent pas connaître ces choses-là. Comme ça, quand ils parleront de la part du Seigneur, toi et moi, nous allons juger parce que nous connaissons l'affaire. Amen. Oh, mon serviteur, il y a une étoile ici devant toi. Amen. Je te donne une Bible. Va de l'avant. Amen.
Et le Seigneur Amen. Lui a parlé. Amen. Et merci. Lui et moi, nous savons que c'est la vérité. Parce que c'est juste une confirmation. Amen. Alléluia. Alors, oh, nous allons encore continuer à nous consacrer pour que les dons aillent encore et encore et encore davantage. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné une maison des dons. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour cela. Amen. Que l'honneur, la gloire, la louange lui reviennent à Jésus-Christ.